je ne sais pas faux. Oh, mais t'inquiète, elle ne vérifie pas. Bonjour, vous pouvez aller vous installer. Bonjour, madame. Bonjour. Allez, bonjour. Oui. Bonjour à tous, vous pouvez vous asseoir. Marine, viens écrire la date au tableau, s'il te plaît. Vincent. Oui. Mathieu. Oui. Eden. Oui. Lise. Oui. Daniel. Présent. Marine. Oui. Elle est là. Marie. Elle est absente. D'accord. Entrez. Bonjour madame, excusez-moi, je suis nouvelle et je me suis perdue dans mes cours. Madame, on écrit quoi? Ça va? Tu te sens bien? Tu cherches quelque chose? Oui, je cherche un livre sur l'école, sur l'histoire de l'école. Ah, oui, c'est juste là à côté. Merci. Signe de la famille du physicien, tué par sa créature le 12 juillet 1920 au collège Marie-Chélet, journal intime du physicien. 12 juillet, aujourd'hui sera peut-être le plus grand jour de ma vie. En effet, dans la salle B340, je vais tenter de donner vie à ma créature. Tout se passe bien pour l'instant. Les premiers essais ont échoué, mais j'ai compris mes erreurs. Je suis persuadée que ça va marcher. Enfin, je l'espère. Bah voilà, c'est bien ce que je vous disais. C'est où, vous faites quoi? On t'a déjà parlé de la légende. Non, pas de légende. Alors pourquoi t'as fait tomber cette feuille? On sait tout, arrête! Maintenant, tu vas nous dire ce que tu sais. J'en sais pas plus que vous. Dis-nous ce que tu sais. Je sais qu'une personne de ma famille a créé une bête et depuis, bah, les gens de ma famille ont ceci. Celui-là? Oui. C'est vraiment tout ce que tu sais? Bah oui. On pourrait aller voir au CDI. Ah ouais, ouais. Oh, regardez, il y a une carte à la fin. Vous pensez qu'on peut s'y fier? Bah ouais, de toute façon c'est le seul indice qu'on a. Hein. Moi je veux pas vous perdre du temps. Bah nous au moins on connaîtra la vérité, tant pis pour toi. C'est bon, je sais où c'est.